Salam alaikum, gros bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je présente aujourd'hui un bien immobilier situé au quartier El Huda, donc en ville à Agadir. Donc quartier El Huda, il est assez connu par le calme, voilà, la tranquillité, etc. Donc là, je présente aujourd'hui un appartement d'une superficie de 103 mètres carrés, situé au deuxième étage. Appartement est le composé de deux chambres, salon, toilette invitée, salle de bain, avec cabine de douche et cuisine, six jours et balcon. Donc, je vais vous amener découvrir tout ça en commençant par l'entrée de ce bien pour mieux comprendre. Donc là, on est à la cage des escaliers. Donc en rentrant, on a donc sol d'entrée. Les travaux, les propriétaires viennent de faire des travaux de rafraîchissement. Ils ont mis l'appartement pour goût du jour comparé à plusieurs appartements situés dans cette résidence qui est en R, composé de R plus 3, donc rez-de-chaussée, deux appartements. Donc, en fait, il y a deux appartements par palier, donc deux au rez-de-chaussée, deux premiers, deux deuxièmes et deux trois, une au troisième étage. Donc, la plupart des propriétaires sont résidents à l'étranger, donc les gens qui sont résidents ici en permanent, il y a donc deux propriétaires. Il y a ces propriétaires-là et puis un autre. Sinon, le reste, les gens sont à l'étranger, ils ne sont pas sur place, ils viennent que pour les vacances. Il y a un parking sous-sol par info, car c'est important. Par contre, ce n'est pas dans le titre, c'est un parking pour tout le monde. Donc voilà, ça, vous ne le payez pas, mais vous en profitez, il fait partie des parties communes. Donc l'entrée, elle est là. En rentrant tout de suite sur la droite, on a donc sous-salon marocain, mashallah. Regardez le plafond. La peinture, les plafonds, tout, voilà, tout vient d'être refait. Ça se voit encore là. Ils n'ont pas encore installé les lumières, etc. C'est vraiment. Est venu vraiment, vraiment terminer, voilà, terminer les travaux qui ont été faits. Donc là, on a ce salon. Ensuite, donc là, c'est la partie juste à l'entrée. En face, on a donc toilette invitée. Et oui, coucou, comme d'habitude. Donc là, vous avez les placards. Toilette encastrée. Lave-main. C'est vraiment tout récent. Prix raisonnable comparé au prix qui se pratique sur le quartier de Juda. Donc là, on retrouve deux chambres. Donc là, c'est la chambre des enfants. Avec une fenêtre qui donne sur le balcon, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, il y a la chambre des parents. Voilà, avec un grand placard. Je vous montre vraiment tous les détails, car quand on est à distance,
Toujours bien d'avoir tous les détails. Voilà la chambre vue du chaque coin de la chambre. Pareil avec une fenêtre qui donne sur le balcon et ça donne aussi sur l'extérieur. C'est-à-dire, il est vraiment ensoleillé. Regardez le balcon. Ensuite, donc au fond du couloir, on retrouve là sur la gauche, on a donc, excusez-moi, voilà, on retrouve la salle de douche. Douche, pareil, donc encastré, voilà, c'est fait, ils ont fait ça vraiment proprement. Aussi, une toilette encastré, les placards de rangement. Voilà, là j'avais prévu de mettre voilà, des portes en cabine en verre, donc des portes en verre pour la douche. Là c'est pareil, les placards, reçu des marbres. Et voilà, là c'est Mohamed. Et donc, et là, au fond du couloir, on retrouve cette cuisine magnifique, comme je vous ai expliqué. Il y a d'autres appartements dans cette résidence, mais ils sont encore sur la déco 2. Il y a, voilà, il y a de la livraison de tout le départ et tout ça. Là, le propriétaire, il vient de. Voilà, faire les travaux, donc il a refait toute la cuisine. Ça se voit là, c'est moderne, etc. Là, il y a le placard, la hotte, les plaques, le four, frigo, il y a vraiment tout. Il y a vraiment de tout. Et juste à côté, donc il y a même la machine à laver qui, voilà, qui est installée ici. Et juste à côté, en fait, on retrouve le séjour. On peut manger sur place. Après, vous avez le choix, donc soit vous faites un salon, un petit salon marocain, ou vous mettez une salle à manger. Vous avez un libre choix, des goûts de couleurs, ça se discute pas. Voilà, et là on retrouve un couloir. Et dans ce couloir, en fait, il y a des fenêtres de deux chambres, chambre des parents et chambre des enfants, qui est donc sur ce couloir. La chambre, placard de rangement au bout du couloir, les volets roulants. Et là, on le voit, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Voilà, donc le soleil tape vraiment fort. Voilà la chambre des parents. Franchement, c'est correct. C'est correct. Donc là, je pense que je vous ai montré vraiment le tout. Et si vous avez besoin de d'autres informations que j'ai pas mentionnées dans cette vidéo, mentionnées dans cette vidéo, donc je vous conseille de me poser votre question ou sinon, vous me contactez sur le numéro suivant, le 00212 6 78 54 70 96. Je répète, 00212 6 78 54 70 96. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Salam alaikum.